Alors, bonjour à tous les amis, ici Milou, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Je vais vous parler des 9 nouveaux œufs sur Minecraft. Bon, moi je suis sur PlayStation 4, fait que peut-être que sur les autres consoles, ils sont pas encore apparus. On va commencer par le premier. Ben, il y en a 10 en fait, là, mais vous en voyez juste 9. Le cheval zombie. Oui, sur l'ordi ou sur PC, ben c'est la même chose. On pouvait avoir des mods pour faire apparaître le cheval zombie. Mais maintenant, il y a un œuf sur Minecraft PlayStation 4. Un invocateur. Bon, lui, il court vite, là, mais... Fuck. Fais chier. Il sauve de moi. Je vais voler. Bon, ils ont peur de nous, mais... J'en ai mis un en cage là-bas. Il est disparu. Ça ressemble à ça. Je suis comme un peu un PNJ, mais... En plus, méchant. Un défenseur. C'est pas mal la même chose, puis les deux chefs pas, ils servent à quoi. Je crois que lui, il sert à nous défendre, mais... Je peux pas les toucher. Il y a l'ancien gardien. C'est comme un gros gardien, ça va être plus géant, là. Puis, c'est pas mal ça. Il y a les vagabonds, eux, ils brûlent au soleil, par exemple. C'est comme un squelette avec des tissus, là. Les revenants. Ça, c'est les zombies avec des vêtements aussi. Maintenant, passons à mes trois préférés. Il y a le fléau. Regardez. Il se téléporte puis il va réapparaître d'une place. Il est là-bas. Regardez. Ça vole. Ça a une mini épée. Puis. Ça ressemble à ça. Un petit bonhomme qui vole. Avec une épée en métal. Yo, les perroquets. Regardez. Un petit perroquet. Tout mignon. Il peut voler. Si je le tape, il va s'envoler. Puis il peut atterrir. Là. Il y a le lama. Lui qui est mon préféré de tous. Regardez, un beau lama. Maintenant, je vais vous montrer un autre. C'est. Bon, il y a lui. Le cheval squelette. Je sais pas si on peut monter dessus. On peut pas monter dessus. Maintenant, je vais essayer de savoir avec vous ce que le... Regardez, il y a des nouveaux lits aussi. Là. Ce que le lama, le perroquet et ça va être ça. Mange. On va y aller avec le lama. Nourriture ici. Donc peut-être qu'il mange des pommes ou peut-être du blé. Il mange pas de pommes et il mange du blé. Donc le lama mange du blé. On va essayer de voir c'est quoi un bébé lama. Donc il y a pas avoir de bébé lama. Ah voilà. Regardez, un bébé lama. Il est tout mignon. Maintenant, on va... Pour l'oiseau, je crois plus qu'il va manger des graines. Fait que je vais prendre les sortes de graines. Le perroquet. Oh, il va rire. On peut les apprivoiser. Assis. Oh! Ils peuvent être avec nous.
Il va-tu me suivre? Oui! Assis. Assis. Assis-toi. Il est bleu. Je crois qu'il faut en apprivoiser deux. Donc il mange des graines de bleu, mais je crois qu'il n'y a pas de bébé. Non, y a pas de... Ils sont si beaux! Je les veux toutes! Assis, assis, assis. Toi aussi, je te veux. Viens avec nous. Assis-toi. Est-ce qu'il y en a d'autres sortes? Lui, on l'a déjà eu. Lui, on l'a déjà eu. Lui, on l'a déjà eu. Il y en a rouge! Je le veux! Et voilà ce que les perroquets mangeaient. Je crois pas qu'il y a d'autres couleurs. Vert, bleu, bleu. Vert, vert, rouge, bleu, bleu. Donc ça va être tout pour cet épisode. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et dites-moi dans les commentaires quel perroquet vous avez préféré entre ce vert, le bleu foncé, le gris, le rouge. C'est les trois couleurs. Likez, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires lequel perroquet vous avez préféré. Merci d'avoir écouté. Ciao!